Est-ce que c'est parce qu'il y a des faux billets de dollars qu'on doit retirer tous les dollars sur le terrain? Non. Si vous retirez l'argent, le vrai billet, c'est vous qui allez mourir de faim. Donc, il faut que les vrais billets continuent à circuler normalement. Et il y a ce qu'on appelle les machines qui testent les vrais du faux. Ça s'appelle le discernement de l'esprit. Ça s'appelle l'esprit du Seigneur. Parce que la lumière et les ténèbres ne marcheront jamais ensemble. Et puis les soubassements de toute spiritualité, soit qui viennent du diable avec des bases diaboliques, soit elle vient de Dieu avec des solides fondements qu'on peut expliquer dans les Écritures. Beaucoup de gens confondent souvent que quand ils disent « nous, nous sommes dans la parole, nous ici, c'est la doctrine ». Donc, c'est-à-dire que c'est de l'extrémisme. Parce que nous venons de voir ici qu'on a, on n'a pas encore tout connu, tout vu, tout expérimenté. Et si la parole de Dieu, cette prétendue parole, cette prétendue doctrine, est annoncée d'un seul camp, il y a risque qu'on tombe dans l'extrémisme. L'esprit qui nous conduit dans toute la vérité, il va nous placer toutes les choses. Moi qui vous parle de ces choses, je suis conscient qu'il y a le faux. Est-ce que parce qu'il y a le faux, que je dois arrêter d'exercer ce que Dieu m'a mis à moi? Il y a l'histoire des deux semences. Laissons-les croître. Nous sommes à l'heure de la maturité. Et maintenant, la moisson arrive. Nous savons voir le vrai du faux. Tout simplement. La fois passée, j'ai parlé de la lettre de Jude. Il dit, ceux que la condamnation suit depuis, ils sont condamnés avant la fondation du monde. Ceux-là ne reculent pas. Ils peuvent même mentir au nom de Jésus. Dans leur prophétie, dans leur vision ou dans des choses comme ça, ils peuvent raconter des choses que Dieu ne leur a pas dites. Est-ce que ça va empêcher au vrai de fonctionner? Non. C'est pour cela que je demande à l'Église, je demande aux vrais enfants, aux vrais serviteurs et servants de Dieu, ne vous laissez pas intimider par ceux qui s'en prennent au surnaturel parce qu'eux, ils ne vivent pas ça. Non. Ne vous laissez pas intimider par ceux qui vilipendent les miracles, qui vilipendent les surnaturels, chaque jour, les attribuant à Satan. Laissez-les, chacun fait son travail, faites le vôtre. Priez pour les malades, chassez les démons, sauvez les âmes, priez pour qu'ils soient baptisés du Saint-Esprit. Allons de l'avant, nous sommes presque près de la ligne d'arrivée. Il ne faut pas qu'on croise les bras maintenant, parce que le salut est plus proche de nous que lorsque nous avons cru. Il faut travailler d'arrache-pied parce que nous voulons racheter les temps. On ne va pas se laisser intimider parce que nous savons qu'il y a parmi les bien-aimés, les uns qui combattent les choses. Quand tu le suis de très près, il n'a jamais fait l'expérience du surnaturel. Même dans sa prière, il n'a jamais ressenti l'action de l'esprit, le saisir. Même quand il a fini la prière, il sent, il dit non, ce n'est pas la chair et le sang qui ont prié aujourd'hui. J'ai senti quelque chose. Et ils n'ont jamais fait de telle expérience. Ils trouveront toujours des arguments pour essayer de mettre à terre ce que Dieu est en train de faire. Mais pour autant, la parole ne sera pas moins prêchée avec les sceaux qui le servent d'appui.